Premier ministre Gary Conil lance zéro tolérance contre corruption à corrupter. Franchement, tout le monde saisit des paroles ça. L'argent de l'État entré, supposé retourner par la population pour qu'il joue un service. Gen pile nèg ak femme qui te pensé là yo vini là comme ministre, c'est le poche ou pas le plein, c'est mal que ou pas le plein. Après ça pour de yo aller Gary dit c'est pas ça bagalaye. Son compte mena vin bay pays, l'argent l'état entré a supposé retourner bay population pour population ka joine service qu'elle méritait. Pendant parler de corruption qui dans nous connaît dans dossier enquête ULCC a mené dans boîte l'état yo sous l'argent sous machine qui arrivait détourner faire cochi. Gen 10 millions de gouttes SNGRS dépensé chaque mois pour acheter gaz. Selon enquêteur ULCC yo, moitié nan 10 millions de gouttes ça qui supposé acheter gaz, l'argent ça fait cochi. L'argent ça c'est dans poche li aller. Rete là, m'a dit nous causer. Entre temps, qui t'en fait nous connaître, secteur évangélique là, li en deuil. Li en deuil. Madame Pasteur Marcelo Tinassi mouri jodi à la, qui c'est mercredi 12 juin 2024. Belle dame sur gat sur écran, c'est Madame Pasteur Marcelo qui relé Blanche Odia Candolo Tinassi, li fait yon arrêt cardiaque matin là. Lui fait vrai pour payer son chapeau. Retirez la vidéo jusqu'à la fin. Nous avons plus de temps avec précision. Pas oublier, nous c'est Production 509. Je vous demande pour like, abonner, peser sous cloche de notification. Retirez sous persuasion et sous tout pour les nouvelles vidéos pour ne pas rater. Sans plus tarder, nous avons droite dans le dossier de l'actualité qui c'est déclaration. Premier ministre Gary Conil qui fait connaître l'innocé zéro tolérance contre corruption avec corrupteur. L'argent l'État ramassé, l'argent l'État entre yo, li supposé utiliser en profit population. C'est ça, oui, Gary Conil fait qu'on est là. Même je nous te connais, yon ban nek, de yon dire, yon pas le ministre, yon pas le directeur général. Premier ça, yon fait, yon achète ton mallette, et puis tout, yon le kay boss, yon fait un coup de pantalon pour yon, yon fait poche pantalon, même longueur avec pantalon. En façon, pour qu'à plein poche yon. Poche version yo même, ça lui même, littéralement le fond, on va être grave. Si nous avons poche pantalon, même longue avec pantalon, on va dire tout. C'est une façon de pour nous appeler poche yo. Eh bien, dans le gouvernement Gary Conil, ce n'est pas ça lié du tout. L'argent l'État entré à, lui supposé utiliser en profit population. C'est ça, un gouvernement. Ouais, là, nous avons dit Gary Conil a dépassé. Il a dépassé. Nous avons bien parlé. Ça fait me sentir que. Et nous avons fait un crédit. Nous avons fait le crédit, nous avons essayé avec quand même. C'est vrai. Même la Bible a dit malé à l'homme qui met confession dans l'homme. Mais Gary Conil, nous avons fait le crédit. Et bien, confessez maintenant, nous avons fait le crédit. Parce que je dis à la, pendant l'installation du gouvernement, il fait qu'on est maigre ressources l'État. Il supposé utiliser en profit. Population haïtienne, c'est ça le rapporté. Hein? L'entendre, yo premier ministre, il fait des cas sur ça, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est pas même avec le gouvernement. Yo. Quand on entendait là tout, grand pile qui t'a préparé pour acheter Gary Conil, pour te cacher une poste ministre, directeur général, yo refusé, yo. Hein? Yo refusé, yo. En plus, les gars, pour qu'on ça, et bien l'argent, l'État entre, l'État entre 10 gouttes. C'est pour ça, dans le service population pour l'entrée. Si son grand baleine qui vend 10 gouttes, la vache en baleine pour le clé tout haïtien net. C'est ça. Gary Conil fait qu'on est, en tant que premier ministre, zéro tolérance contre corruption à corrupter. Hein? Qu'on y a là, est-ce que mini-justice là, qui n'a gouvernement, Gary a, est-ce que la capote solution avec problème ça qui est là? Hein? Hein? Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Paye à charger le problème là. Paye à charger le problème. Est-ce que
ministre justice là qui dans gouvernement Gary Conil là, est-ce que l'a capoter solution? Parce que si c'est ministre justice qui hein, faut faire travail ou bien faut faire fort bien faire job là. Yon ministre justice par un jouet, notez ça, yon ministre justice par un jouet ou là, hein, c'est pour faire travail comme ça doit. Gérer tout bagay net. Parce que pays a sous contour. C'est tout pour ministre sécurité publique là. Pays a sous contour. Attendez non. Ministre justice là, je crois que monsieur Relé, on garde voici cage non pour nous. Yon ministre justice si Gary en tant que premier ministre il annonce zéro tolérance contre gang yo, zéro tolérance contre corrupte avec corruption. Là, job pour vous avec ministre justice là. Ministre ça job là mais là, hein? Quand ministre en pile, attendez non. Ministre justice là, qui là, lui supposé, hein? Fait travailler comme ça doit. Moi-même, question à poser. Ministre justice là qui c'est Carlo Hercule. Est-ce que l'amka compte carré nek sa yo? Et Carlo Hercule, c'est le ministre de justice et de la sécurité publique. Est-ce que mis à cabaretement? Je ne sais pas. En tout cas, nous étions pour nous suivre qui sa bagarre à lié. Dans le dossier corruption que ILCC a mené enquête, kaba nous coûte mais. Quand bay travail avec nouveau ministre justice là qui c'est Carlo Hercule, attendez non, gè 10 millions goud SNGRS dépensé chaque mois. L'argent ça le dépense chaque mois, c'est pour acheter carburant, ça nous les gaz pour matériel yo, pour matériel qui a fonctionné. 10 millions de goud qui dépensait chaque mois pour acheter carburant, selon enquêteur ULCCO, qui moitié non somme d'argent ça qui détournait, qui utilisait enfin personnel pour enrichissement illicite. Ça veut dire là moitié de l'argent ça il fait au cochi, c'est dans poche veste, poche pantalon et dans mallette li entré. Les gars gagoté l'argent l'état 10 millions de goud, l'aime dit moitié dans comme là c'est 5 millions. Ça veut dire on va prendre 5 millions acheter gaz, yo prouvé qu'il acheter gaz et reste 5 millions les gars prend yo gagoté yo séparé en 10 amis. C'est le document qui consulté par le métronome Jeremy Paulman avec Max Alex Joseph, yon c'est DG et l'autre c'est DG adjoint dans institution SNGES là. Et n'ego répond question enquêteur ULCCA semaine se passé là. Les auditions ça yon révélé, ils ont fait des révélations fracassantes. Non, dossier si là. Selon information, l'argent ça, même, yo ba konnen route kochi, l'argent a fait. Parce que yo di yo bay l'argent disposé disponible pour carburant, mais nèg yo fait ça ou konnen avec l'argent. Tout comme la pa achete gaz vrai. Moitié nan kòb la fè route kochi, moitié nan kòb ça, et nan poche li entré. Qu'on a jeté pour Carlo Hercule, qui c'est ministre justice, qui pour passer l'ordre, pour marrer tout corrupteur, zéro tolérance, même Jean-Garry Conil annoncé, faut nous prouver ça en tant que ministre. Faut chaque monde jouer par Olio très bien dans l'État. Pas qu'on court dans la ville là, parce que ouais, on va pas en prison. Là, nous on va pas en prison. Si pas en prison, les gens mourir, supposé mourir. Ni bandit, ni corrupteur, n'est pas supposé mourir, pas en prison.
Kounya est-ce que pendant vacances là n'a prêté lycée yo hein tant que lycée Bétionville qui chargé ça la donne n'a prêté chaque carré lycée Bétionville faire prison d'ailleurs après ça l'école presque ouverte dans la ville dans lycée en propre tel et puis tout pour nous remettre lui hein parce que pas en prison bon ça fait ne pas pas voter une loi hein peine de mort. Parce que les gens qui gargotent l'argent pays, l'argent Petro-Caribé, l'argent USCC, l'argent FNE, hein? L'argent FNE, les gens là, c'est peine de mort. Et peine de mort, la société prend. Hein? Peine de mort, c'est comme Matelier, peine de mort pour Tabali. Claude Joseph, l'argent Ona, peine de mort. Hein? Grand pile de gens qui nous ont la mort. Dossier 25 stades et peine de mort pour nexo t'apprendre. Ce pas pas mérité prison d'ailleurs pas en prison. Pas en prison. Hein? Et moi j'aimerais que tu aies construit en prison. Parce que toute majorité prison écrasé. Yo crasé tout crasé pas et pas écrasé avec bacolo des pelex matrice yo crasé mato birin yo crasé yo pas en prison. Mais li bon pour nous pas en prison. Les que mes bandits, bandi pas caler en prison, y a tuer yo. Les que mes corrupteur ça va pas caler en prison, y a tuer yo. Si nous ne pouvons pas voter, mettez-nous ensemble là, voter en peine de mort. Hein? Deux de nègres qui ne méritent pas vivre. Il faut que vous mouriez. En tout cas, je vous dis que nous commençons par l'émission. Secteur évangélique là, lié en deuil. Hein? Madame Pasteur Marcelo Tinassi. C'est Pasteur Marcelo ça. Nous avons songé de faire une visite dans le pays d'Haïti. Dans l'année 2019, si je ne suis pas oublié, si je ne suis pas oublié, c'est dans l'année 2019. Et Madame Pasteur Marcelo Tinassi, qui c'est Blanche Odia Kondolo Tinassi, lui fait un arrêt cardiaque matin là, qui c'est mercredi 12 juin 2024, lui mourit. Hein, lui mourit. Je crois que c'est notre pays d'Haïti, c'est Pasteur Deli Benson qui a annoncé ça. Et puis tout, nous allons arriver chercher et puis confirmer, oui, réellement, Madame Pasteur Marcelo Tinassi, lui fait vrai. Pour payer son chapeau, lui devancer nous, comme c'est bon Dieu qui baille, et puis tout, c'est lui qui prend. Blanche Odia Kondolo Tinassi, c'est une jeune dame, belle grande femme, ça qui passe tellement sur le procédé. Eh bien, je ne sais pas, il pas avec nous encore, lui devancer nous, lui prend devant, et puis tout nous-mêmes, nous derrière, comme c'est chrétien qui est, et bien quoi que, place qui est réservée, non, royaume, hein, parce que nous ne savons pas mourir, mais plutôt, c'est aller yo m'te ka di yo getan fin accompli mission yo c'est bon Dieu qui prend parce que Marcelo son exception homme de Dieu si madame ni mouri hein si pasteur si pasteur Marcelo c'est homme de Dieu madame ni son femme de Dieu tout madame ni mouri et m'croit que c'est bon Dieu qui réclame il yon arrêt cardiaque pa gen moun te ka di Jean yo wè madame pasteur Marcelo en forme là on belle grande femme qui jam. Bah, je pense que si tu as fait un arrêt cardiaque, et bien maintenant, là, madame ni fait un arrêt cardiaque, elle mourit. Elle tombe, elle va lever. Bon. Et condoléances avec la famille. Hein. Et continuez à prier pour Pasteur Marcelo avec petite li. Parce que j'ai perdu madame, comme ça, qui va être malade, retenez-le, fait un arrêt cardiaque, et regardez, ou apprendre, madame ou mourir. Ça, son coup dit. Comme Pasteur Marcel son homme de Dieu, la comprendre ça fait là, elle a assez de capacité, la connaît madame, mais c'est pas mourir, mourir, mais plutôt c'est bon Dieu qui réclame. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire l'autre dossier, pas Béchanel ça, c'est production 69, on est pour liker, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnalisé sous tout pour les nouvelles vidéos, pour pas rater. Première étape là, c'était désignation. Là, nous sommes en temps normal, les gars, parlement. Deuxième étape là, c'est nomination. Troisième étape là, c'est ratification. Quatrième étape là, c'est investiture. Et cinquième et dernière étape, c'est installation. Nous croyons dans la Constitution 1957 amendée, nous devons retirer la désignation parce que nous avons estimé le processus là trop long et trop lourd. Qui vient faire que depuis choisi pour le ministre, ou bien depuis le président choisi pour le ministre, il est tout nommé. Et l'un nommé le guerrier Dieu seul, il habilite à foncer de bagages. Par exemple, il est capable de faire réunion, participer dans monter cabinet, dans constituer gouvernement, ou après l'un nommé pour le ministre, tout,
ce qui pas qu'on fait ça pas qu'on fait avant les désigner ont été désignés avant là on nomme les tout balai machine sécurité etc. Mais probablement côté il y a les bureaux et là ça à chaque fois il y a relé le dit premier ministre nommé et le fait qu'il a l'habilité à monter cabinet et c'est à partir de titre ça il vient pour descendre dans le parlement avec toute ministre pour aller présenter politique générale li. Et puis pour le Parlement soit ratifié ou bien dire au gouvernement ça ou rejeté. Okay? C'est ça que tu as fait. Mais quand il y a là, comme pas de Parlement, comme nous n'avons pas une situation normale, nous avons un état de fait, si nous avons dit comme ça. Si nous avons un cas, Gary Gouni, nous avons considéré l'étape désignation, le monsieur Damio au niveau du conseil présidentiel ou bien monsieur yo puisque mon qui a voté c'est gars seulement yo yo té entendu par consensus pour yo décider c'est gars reconnu comme premier ministre transition nous ka considérer étape ça comme étape 1 dans processus là deuxième étape là c'est étape nomination côté non seulement yo publié résolution côté où tu choisi Gary Gouni par consensus entre eux, mais au publié tout arrêté qui nommait citoyen Gary Gouni comme premier ministre. Donc ça t'a voulu dire qui ça? Si nous toujours été dans le processus là, il y a l'autre étape qui était pour franchir, pour capable faire de M. Gouni un premier ministre à part entière. C'est ça nous penser, c'est ça nous supposer. Après une nomination comme bagage parlement, derrière, nous retirer question ratification. Maintenant, nous sommes capables de dire que deux. C'est investiture, c'est installation. Mais bon, bagay, et c'est lui-même nous avons essayé de comprendre lundi dernier, c'est que dans tout dernier premier ministre qui passe là, bon, on va parler surtout ça qui passe sur Jovenel Moïse, pas Ariel Henry à soi. Ariel Henry, c'est ton autre bagaille. On prend Seyan, on prend Jout. On peut guerrier Dieu seul. C'est dans la cérémonie d'investiture là qu'on remet intéressé à ampliation arrêté qui nous met là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cérémonie pour quoi. Et parce que c'est ça qui te pose tout problème. Non. Pas de cérémonie pour remettre ampliation. C'est en dans la cérémonie d'investiture là. Il remet intéressé ou bien concerné à ampliation. Et puis parole parlée. Causé dit, ça fait généralement dans le palais national. Et puis après ça, avec tout cabinet ministériel là, le nouveau premier ministre a l'installé au niveau de la primature. C'est ça. Oui, et c'est une raison qui fait, il y a qui t'a demandé qui côté premier ministre Ariel Henry de joindre une copie arrêtée qui nomme là. Oui, c'est comme ça. Et cérémonie investiture là-bas, j'aime pas trop fait. Il a tout fait installation. Oui. Donc, après, oui. Puisque le président Jovenel Moïse, c'était 6 juillet. Donc, il n'y a aucune cérémonie. Cérémonie d'investiture, en fait. C'est ça qui fait que les gens qui ont demandé qui côté, si tu es un jeune. Bon, il y a le groupe qui t'a banni. Donc, dans le cas de Gary Gouni, il franchit l'étape désignation, il franchit l'étape nomination. Logiquement, cérémonie que tu as gagné lundi, elle était douée en cérémonie d'investiture. Il dédouille ça. Oui. Et là-dedans, il y a remettre lui ampliation à nommer comme premier ministre. Et malheureusement, monsieur Dam, il est très prudent. Il va régler le comme ça. Il a simplement régler la cérémonie de remise d'ampliation de l'arrêté, etc. à Gary Gouni. Et ça fait des monde qui croit que si on n'a pas qu'à dire son installation, donc il faut qu'il vienne avec un qualificatif. Parce que quand même, il faut une cérémonie pour remettre un document qui fait de lui une autorité. Jean-Zamé Proveton Takadil, ce n'est pas la graduation, M. Gouni, tu es allé pour dire que tu as l'ampliation d'un diplôme de Baïza. Ce n'est pas un titre honorifique pour comprendre. Et ce n'est pas première communion, etc. Le certificat de première communion. Donc, son chef. Vous comprenez, il y a un document qui fait de lui une autorité, qui fait de lui s'allier à vrai. Donc automatiquement, tout le monde dit dans la logique des choses, il est doué tout chef.
Par contre, je comprends. Oui, oui, oui. Mais, pas oublier, pas la forme. Et ça fait me dire, si nous faisons considération politique, il se pourrait bien que le choix n'est pas fait pour faire une cérémonie, pour remettre M. Kone, l'ampliation arrêtée, il n'est pas innocent. Par contre, je comprends. Mais pour l'équipe Gary Kone, la guerrière, depuis la cérémonie lundi, pour yon, M. Kone, son premier ministre, that's it. Pour l'équipe Lia. Pour l'équipe Lia. Pour l'équipe de Gary Kone, depuis lundi après-midi, M. Kone, son premier ministre, à part entière. Donc pour yon, PM là, tu as commencé à avancer, dans poser une série d'actions, dans prendre une série de décisions concrètes. Après, vous venez avec question signature là. Vous venez avec question pour le Premier ministre de nommer une série de monde dans l'entourage. Par exemple, son chef de cabinet. Possibilité pour le nommer secrétaire général primature, etc. Entre autres décisions. Et l'équipe ça a accusé Premier ministre AIA, M. Michel Patrick Boisvert, qui est qualifié de Premier ministre. Conseil présidentiel transition. Guerrier, puisque c'est conseil présidentiel transition qui a renouvelé mandat M. Boisvert pour un mois. Guerrier, il a accusé le commun qui t'a bloqué Gary Kone pour empêcher l'avancer. Et il dit PM a venu avec blocage ça sous prétexte que le gouvernement. Pourquoi installer? On a d'abord posé question. Est-ce que Michel Patrick Boisvert, bon, quelqu'un qui a été rebouté à bloquer Gary Kone? On ne sait pas. Mais si on a avancé logique installation pour bailler Gary toute l'attitude comme premier ministre, est-ce que c'est ta mauvaise foi? Est-ce que tu as concerté ça? Si effectivement nous d'accord, cérémonie que tu as faite. Lundi, il n'y a pas rien pour eux avec installation. Installation. Par contre, je vais vous dire, je dis, ça nerve l'équipe Kone là, parce que Kone n'a pas rien qu'à faire vraiment au niveau de la primature, sinon, si tu as réuni avec mon palamon, mais mon galon de l'eau, si Kone a besoin de boire, ou bien besoin de l'équipe de boire, c'est dans poche pour le retirer, donc, ça n'a pas rien vraiment. Il y a un droit de signature. Bon, il parle de ça pour spécimen signature qui pourra être l'autorité compétente pour qu'on ait désormais ces citoyens qui doivent signer pour une série de bagailles. Il faut qu'on engage l'État véritablement. Donc, pour l'équipe Kone, c'est une insulte. Et ça fait, je parle avec plusieurs qui disent Kone, ils font coller. Et hier, et même demander l'équipe pour lever pour aller, etc., pour ta fin d'air. Parce que vous pensez que sacrifier sont dérespectants. Mais quand il y a là, guerrier, on prend pour acquis que sacrifier lundi a gagné pour avec l'installation. On prend pour acquis que l'installation est fondamentale pour faire du premier ministre un premier ministre à part entière, guerrier. Ou d'accord, je dis, si c'est vrai, qu'on y peut installer. Donc, s'il peut installer, il faut que tout premier ministre ça. Comprenez bien? Oui. Et si vous pouvez que tout premier ministre ça, il vient dans le TGF SOS pour qu'on ait contrôle primature. Oui, pour qu'on engage l'État. Donc, pour qu'on ait contrôle primature, vous le dites, il y a des débats pour qu'on ait fait. Oui. Pour qu'on ait posé signature dans une série de documents, ou pour qu'on ait fait débloquer fonds, ou pour qu'on ait capable de faire des nominations, etc. Mais, en fait-il logique, guerrier, si qu'on est premier ministre, ils sont premier ministre tout bon vrai. Ou d'accord, on a venu avec tout le gouvernement. Oui. Sous qui base, ou prêt à commencer à signer, qui ministre qu'il a, ce sont les ministres démissionnaires. Oui. C'est comme si on tout hérité de gouvernement d'absolu. Oui. Si vous dites qu'il y a fait, nous avons fait, etc., tu as autant douté dans un là, tu as fait, c'est où tu as fait l'autorisation. Oui. Par contre, je comprends. Donc, il est logique que si on a vu une première ministre, on a toute l'équipe. La équipe. Donc, tout ce qu'on a fait, on a fait avec l'équipe. Même lorsque tu as des ministres qui reconduisent. Pas de problème.
Et si bon ministre, si bon ministre, pardon, qui était dans le gouvernement démissionnaire là, qui était, qui vient dans le gouvernement là, il vient dans un nouveau gouvernement gagné. Parce que tout le monde qui est là, c'est des gens qui ont liquidé les affaires courantes. Par contre, yeah. Pouvoir limité. Donc si vous-même vous venez comme chef de gouvernement, ou pas chef, yo, c'est ça que fait un don Tijan perdu. Les bons amis qui déparlent de conseil gouvernement que Kony va organiser. Avec qui ministre? Avec qui ministre? Soit organiser conseil de gouvernement comme chef gouvernement, ou puis tu as parlé avec ministre. Mais semblait équipe Kony n'a pas parlé comme ça. Donc bon marché pressé au niveau de l'équipe de Kony, puisque vous dites eux-mêmes Kony c'est travail de la dépendance. Donc avec des ministres du gouvernement démissionnaire, donc faut Kony ait des possibilités pour commencer à poser des actions. Moi, je pense que là, c'est un gros risque, guerrier. Parce que n'est-ce qu'il y a sauté, là, il fait quoi de gars, donc. Donc, si vous-même, vous venez, et vous voulez ça avec vous, capable de s'y débat encore, vous me perdez. Par contre, vous voyez. Est-ce que c'est patient qu'on dit pas patient assez? Est-ce que c'est vrai qu'on dit, vrai qu'on s'y débat parce que le pays ne peut plus attendre? Ou bien, est-ce que qu'on dit, vrai que tout pouvoir parce que le gouvernement est tête libre? Pas forcément qu'on est. Et question à poser. Mais nous dit, pour le monde qui maîtrise, question administration de l'équipe, la question technicalité de la si effectivement, voler installation, les joue un rôle important dans le fait de monde qui nommé comme premier ministre, son premier ministre à part entière, donc je dis à nous d'accord que le premier ministre connaît pour tout pouvoir. Donc si nous sommes d'accord avec Teza, donc c'est là que monsieur Fin fait cabinet, c'est là que monsieur Fin installé avec cabinet, c'est là ça qu'on y a là, on a dit qu'on a tout pouvoir comme chef de gouvernement. Par contre, donc pour l'équipe qu'on est là, ça qui vient là, c'est un blocage. Donc pour le blocage ça, c'est parce que vous voulez faire qu'on chanter. C'est comme ça que vous même. Il voulait faire qu'on y chante. On a si nous avons considéré vous les chantages là. Il y a rien de cela. Gagner des mouns, pas forcément les conseillers présidents. Des mouns qui sait, des mouns qui fait partie secteur qui forme le conseil là. Ou des mouns qui proche conseil là. Il a toujours été croit que si qu'on y joue un plein pouvoir, il installé. Bon série de bagages, il n'y a pas 40 000, il n'y a pas exigé. Yes. Il y a ça tout. Il y a quoi que faut connaître les premiers ministres à demi pour exiger ça, il y a dans la formation du gouvernement et c'est là qu'il y a satisfait exiger ce qu'on y a. Il y a installé et c'est là qu'on y a la chef tout bon vrai. Il y a ça tout, Ben Medjian. Parce que pas oublier, même si vous entendez au niveau du conseil présidentiel, qu'on y vienne avec des propositions, il y a accueilli. Mais pas oublier, conseiller président, il n'y a pas mettre tête. Il y a des secteurs. Et nous t'avons dit ça. Si conseiller président n'a pas pris distance avec le secteur que vous avez, il y a capable de causer de grand temps à la République. Parce que je dis, il faut que les femmes qui sont dans le conseil présidentiel, d'accord, c'est des hommes et femmes d'État. Ils vont arrêter, qui nomment, qui vont au pouvoir, pour agir dans l'État, de ne pas cacher ça, satisfaire désir des groupes politiques qui vont y aller. Nous ne pas dire pour divorcer avec eux, non. Ils doivent informer, ils doivent consulter dans le sens, comme si nous t'évoquions, mais ça va décider. Mais pas les poids, dictons. C'est vous-même qui êtes dans l'État, c'est vous-même qui êtes dans la directive de l'État. Par contre, je citoyens qui doivent aller dans le là. Donc moi, fais parenthèse là, c'est pour m'expliquer jusqu'à présent, les deux bagailles qu'on y voulait faire ou bien venir avec comme proposition, ils n'ont pas trop bien vu au niveau des secteurs guerriers. Il y en a d'ailleurs, c'est que logique pour gagner des ministères clés, régaliens qui ne peuvent pas aller dans la main, mon niveau dans l'élection. Mon niveau estime que qu'on y pas qu'il n'y a pas de parole. Parce que avant qu'on y nommé à, avant de choisir le consensus là, il y a des garanties que le débat yo, le débat cotisé yo. Les connus fin nommé qu'on y a rentré en Haïti, les rencontrer avec yo, il y a des garanties le débat yo.
Donc yo estime une fois qu'on est vinn gagner un minimum l'attitude bullshit à parler avec ou négocier, yo senti qu'on veut l'échanger. Bien que bon parti dans conseil là, les qu'on est dit n'a pas arrangé pour ministère qui est important ou bien ministère clé ou parle dans main monde politique yo. Il y en a qui t'ai accueilli favorablement. Même te dit mon réserve qui pas jamais exprimé publiquement mais qui t'ai gagné. Il dit est-ce que connait lui-même monde qui pourrait proposer ou qui va mettre là-dedans yo. C'est pas pour préparer élection pour l'autre groupe qui va forcément lui-même. Parce que nèg yo craint tout. Oui, ce connait grand chef gouvernement pour organiser élection, mais est-ce que connait tout pas une équipe li qui prend l'élection qui est capable d'utiliser le ministère ça yo au profit de eux-mêmes. C'est préoccupation. Il y a ça tout comme préoccupation au niveau des secteurs. Et ça faut être tout dilatoire ça. Donc mon secteur ça au quoi on bagaille. Yo croit que connait un agenda qui peut qu'on dévoiler ou bien qu'il y a des éléments d'agenda monsieur connait là qui pas dévoilé. Donc yo pas voulu pour fin bail connait tout pouvoir. Et puis le connait qu'on y a la fin de tout pouvoir, il a dit non, on attend mais ça pas veut dire que obligé accepter à sauver. Et voilà pourquoi des gens qui disent c'est exprès que vous faites même. Ils n'ont pas dû rentrer dans la logique, ni investir sur l'installation, ils ont dû son cérémonie de remise d'ampliation de l'arrêté qui nommé Premier ministre. Et puis ils ont allé plus loin, ils ont dit ça, ils ont fait les bails Premier ministre en attitude pour former le cabinet. Seulement ça. Même pour qu'on ait tout pouvoir, vrai. Et ça, on a dit. Même si ils n'ont pas exprimé publiquement, mais ils discutaient. Parce qu'ils ont dit comme ils n'ont pas pouvoir entièrement. Donc si on bal minimum ça pour le capable former cabinet et on dit il a profité pour dire mais ça y ouvre au même parce que si on bal plein pour voir qui t'est installé il cap décider le dire monsieur pas forcément besoin escorte nous dit non on cap décider dans ça c'est pas bon bien ça doit il ça fait monsieur dame qui dans équipe connait yo croit que blocage ça pour yo ça oui le blocage là. C'est parce que vous voulez faire qu'on y chante. Vous dites, vous besoin installer au plus vite, pas un problème. Vous besoin installer au plus vite, mais ça nous voulait. 1, 2, 3, 4. Il y a ça, donc, à discuter dans l'intervalle. Il y a ça, donc, à discuter. Et ça fait vous parler de chantage là. C'est comme si mon secteur, dans CPTA, ou bien en pile dans le guerrier, vous dites, si on prend tout pouvoir là dans la Koni, est-ce que Koni pas on va aller préparer pour comme coup. Et puis on dit tête comme ça. Il va rentrer courir dans démarche naïf. On démarche naïf, dit Nadir comme ça. Pour yo courir livrer yo ba Koni et puis les Koni fin jouer de plein pouvoir pour yo pas gagner en prisonné. Donc il dit si on bagaille a exiger Koni c'est depuis qu'on y a. Parlons du gouvernement. C'est depuis qu'on y a. Eh bien, c'est ça, oui. Bah, ça a fait, monsieur Koni, yo, neve, yo, fâché, nèg, yo, retourné dans l'hôtel, côté, ou nous, et aussi, mais sont dérespectants. Et puis, ma parole, yo, on dit, mais faut d'accord tout. Si installation, on voit le capital dans le processus là, faut d'accord que Koni, un, pour qu'on ait gouvernement, pour qu'on ait cabinet, et deux, Koni, pour qu'on installe. Donc, si nous, pour installer, nous d'accord tout, nèg, yo, dit, mais, combien faut-il de temps pour installation faite? Par contre, je comprends. N'est-ce pas ça? Combien faut-il de temps pour installation faite? Mais moi-même, considération par nos guerriers de seul, qu'on n'y pas qu'à installer pour continuer, pour la coopérer avec des ministres qui démissionnaires. Qui eux-mêmes vont pouvoir limiter. Tout. Limiter? Ouais. Donc, si vous voulez jouer de plein pouvoir, il faut que vous veniez ensemble avec le cabinet, le ministre, le ministre qui a passé l'ordre, qui a réuni avec vous, fait conseil de gouvernement, qui a dit qu'il y a une directive là, et on a avancé. Claire. Donc pour moi, ça n'a pas doué une grosse préoccupation. Bien que je n'ai pas écarté possibilité pour gagner, blocage la vraie, parce que c'est politique qui a fait, il a fait politique la Malaisie. Je n'ai pas écarté possibilité ça. Mais on doit penser qu'on dit bonne intention et puis on dit pas un problème à baler mal et demi comme yo pas une intention pour nous et bien yo tout anticipé yo même yo mettre ça comme balise. Par contre et du coup ça retarde guerrier du seul la formation du nouveau gouvernement.
qu'on y a à quand le nouveau cabinet ministériel. Jusqu'à hier soir de très tard, moi parlé avec un source proche conseil présidentiel là, il aurait été quoi que l'impossible toujours, même si les difficiles en même temps, mais l'impossible pour cabinet ministériel là dévoiler jeudi à monsieur est-ce que très tard dans la nuit. Mais moi-même, personnellement, très sceptique. Par rapport à l'ensemble dilatoire qu'a fait yo. Pabli, on nous dit, c'est pas seulement conseiller président yo. Ou car on a deux, trois conseillers présidents yo même, qui n'ont pas de problème avec Kony. Qui t'a rien avancé, mais surtout, si on y va entendre très bien Kony. Pabli, Kony font bagay. Kony rencontre les négociés séparément, ils parlent à négocier séparément, et puis ils rencontrent les négociés ensemble. Yeah. Mon gars dit qu'on n'est pas politicien. Bref. Par contre, vous comprenez, non? Les rencontres sont séparément. Ça veut dire, ou par contre, ça a discuté avec Smith, par exemple. Ou par contre, ça a discuté avec Gérald Gilles. Ou par contre, ça a discuté avec Laurent Cécile. Ou par contre, ça a discuté avec Vertiller, Edgar Le Bluffis, Fritz Jean, etc. Et puis après ça, les rencontres avec eux ensemble. Par contre, vous comprenez. Donc, il y a des conseillers présidents qui doivent se sentir confortables. Ils ne peuvent pas les bloquer pour nous. Mais il y a tout par rapport avec le secteur qui décide de dire eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre ça qu'on veut faire parce qu'il n'y a pas beaucoup clair. Ils ne peuvent pas comprendre ça qu'on veut faire. Eh bien, ça, c'est certain, là, pour retarder la formation du nouveau gouvernement. Conversation que j'ai avec un sous-proche conseil là, hier soir, Dimto, guerrier, moitié dans le ministère qui est en fin de choisir. Moitié dans le gouvernement qui est en fin de choisir. Moitié. Et si on allait dans le même rythme là, j'aime ce que je disais tout à l'heure, il est possible, très tard, dans la nuit, vendredi pour le samedi, pour nous connaître qui est ce qui fait partie du nouveau cabinet ministériel là. Et lundi, probablement, il est capable de procéder à l'installation ni Kony, mais ni cabinet à tout pour faire de eux des chefs à part entière. Hier, il y a eu une rencontre entre le Premier ministre là, avec CPTA. Il est arrivé à entendre sur jumelage ou bien fusion qui fait entre certains ministères. Nous avons expliqué ça hier matin. L'équipe connaît clair que eux-mêmes n'ont pas supprimé le ministère, n'ont pas éliminé le ministère. Ils ont simplement fait deux ministères aller sous l'obédience de l'autre ministère. Mais avec la même base-là. Guerrier. Mais dernier sac sorti autour, fait quoi que ministère conditions femmes, ministère sport, ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique, tadoué ou même pas fait partie de jumelage là. Ou tadoué, des ministères pour quoi yo. Bon, nous font un petit point sur ministère jeunesse avec sport là. Gon problème là qui est très sérieux. N'dap dit si M. Kony, n'dap dit ça avant hier, il a rentré dans des marches pour prendre ministère ça au fond à l'autre ministère, il a quelque part incohérent. Avec ça, il était annoncé dans la première intervention officielle l'IA, l'elle dit que priorité après l'accorder à jeunes et bien à mesdames. Donc je discuté ça dans l'équipe li, et puis je d'accord quitter le ministère ça jusqu'à présent. Pourquoi yo? Mais ça qui passé, il y a un ensemble de groupes sur l'obédience observatoire de la jeunesse, guerrier de seul, qui ont même été endossé choix Kony. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Il était endossé choix Kony dans la discussion probablement gagné avec l'équipe Kony. Il était quoi que le ministère de la Jeunesse revient au droit dans le sens que vous êtes doué proposer au monde qui pourrait aller en fonction de ça. Vous même comme revendication pour le secteur. Parce que vous croyez que ce n'est pas un job. D'après ça, je discute avec quelqu'un. Non ministère ou bien non cabinet, juste pour gérer tête. Mais vous dites qu'il faut que vous espace vous capable d'appliquer. Ma propriété propre, moi, politique, en politique jeunesse, par rapport avec ça, je n'y a confronté comme problème, comme défi, etc. Mais vous dites, les connus
ou bien l'équipe Konil a décidé pour quitter le ministère jeunesse avec sport pour Gol. Il y a dit mon secteur dans le CPA qui fait grâce au lit. Pour prendre. Monsieur observatoire jeunesse avec tout l'autre jeune qui était participé dans le processus là. Et tête virée. Parce que vous même qui finit prend des risques pendant tout choix, pendant tout processus pour te choisir candidat dans la course premier ministre, vous même qui fait des lobbies, vous même qui prend des positions, vous même publiquement qui dit vous supportez Konil, vous endossez Konil, vous même qui fait lobby pour Konil. Et puis vous avez un bon matin, vous sur route comme si vous perdu. Selon vous, ça qui revient au de droit. Parce que vous même vous dit vous pas de problème que c'est pas vous même en soi qui le ministère jeunesse, mais faut bon jeune. Et pas jeune comme si vous êtes rentré dans la corruption tout le monde, vous êtes rentré dans toute la propagande de l'ISA. Jeune qui a non seulement capacité, mais qui capote ton bar au secteur. Mais si monsieur, vous pouvez du ministère. Si monsieur, vous avez couru. Parce que vous dites que mon secteur dans le CPA là qui dit il a qui s'en va toujours. Et vous pouvez décider qui est-ce qui mette pour mettre mon là-dedans. Donc, on a essayé de garder ça, c'est une balade de groupe, mais il y a une balade de groupe. Bon, C'est PM Konil. Est-ce que c'est un jeune qui a le mettre ou c'est lui qui a le bailli? Yo dit qu'ils sont jeunes, mais pas forcément yo. Pas forcément yo. Bon, en plus, il faut alors parler avec les gaffeurs politiques ici, papa. C'est ça le pas du là, pourquoi? Mais ils disent qu'ils sont jeunes, qui sont dans le secteur. Vous comprenez? Mais comme il y a là, ça ne peut pas comprendre, là, on a pris un piège. Bon, pas quelques parties qui ont des jeunes, tout. Je vais vous exemple qui c'est. Probablement, ils même qui, dans le regroupement, ça, ok? Côté, c'est l'observatoire de la jeunesse qui a pris là. Quand il y a des gens qui sont dans l'autre parti politique. Comme ça, tout. Quand il y a des jeunes qui ne sont pas dans le monde, mais qui sont dans l'autre secteur. Par exemple, Montana est jeune. Et il y a des jeunes. Qui partit encore? Je ne sais pas. Quand il y a commission. Non, non, c'est des jeunes. Et monsieur d'Apolitif, le janvier, au PIL et au Union. Bon, Union, moi, on est Union avec les jeunes. Union dans le collectif là. Par contre, vous voyez, on est là, est-ce que vous avez un bon conflit? Puisque vous-même êtes organisé, vous dites, supportez Konil, vous pensez que si vous avez des bacs à faire pour faire de jeunes, un pilier important dans le gouvernement Konil, vous êtes doué, partie prenante. Donc si je dis, vous estimez que vous êtes au profit de l'autre jeune qui n'est pas dans le temps, donc est-ce que ça va créer frustration? En tout cas, le bac qui a gagné hier, conseil la guerrier discuter autour de monde à voyer pour 9 ministères par mois. Pas oublier ces 13 ministères gagné 4 avec fusion avec Jumelage pour monsieur Gomé et son équipe et puis gagné 9 pour monsieur dame secteur. La discussion t'a faite autour de nom qui pour aller dans ministère choisi dans niveau CPTA. Comment t'as fait guerrier? C'est pas juste, yo dit secteur ça est beau, secteur ça est beau, secteur ça est beau, et puis il y a un non? Ça veut dire, ou même guerrier du seul, ou doit son conseiller président, secteur que vous avez droit de ministère santé, et puis vous voyez deux noms. C'est deux noms qui vont passer au vote en dans le conseil présidentiel là. C'est conseil à faire pour chaque groupe. Il y a voté entre eux, donc c'est mon qui veut voter pour le ministère là, il va passer. Ou même quand il y a qui a un candidat pour tel ministère, il faut chercher les gens qui peuvent voter pour lui. Bah, on va prendre une démarche là. En deux conseils là. En deux conseils là. Ok. Ils ont fait pour eux, depuis qu'ils ont choisi les gens qui ont un ministre pour eux, c'est fini. Donc, pas d'objection pour voter la primature. Mais qui est différent, nous t'expliquons ça hier. Pour le ministère de la Konil, il faut qu'on y voit trois noms.